collaborateur idéal. Même s'il a le style parfait et toutes les fonctions que vous recherchez, il doit d'abord tenir dans votre cuisine. Voici quelques mesures à prendre avant d'acheter pour vous aider à faire le bon choix. Mesurez l'espace que votre nouveau réfrigérateur occupera en commençant par la largeur. Comme les mesures peuvent varier d'un endroit à l'autre, assurez-vous de les prendre plusieurs fois et prenez les plus petites en note. Mesurez la hauteur du plancher aux parties les plus basses des armoires du haut. N'oubliez pas que pour certains modèles, vous devez laisser de la place pour une charnière supérieure. Mesurez ensuite la profondeur pour être certain que votre réfrigérateur ne dépassera pas trop dans votre cuisine. Mesurez maintenant du mur arrière au côté avant du comptoir ou du mur adjacent. Vous devez également laisser un peu d'espace autour du réfrigérateur pour permettre à l'air de circuler. Généralement, il faut laisser 1/8 de pouce de chaque côté, 1 pouce sur le dessus et 2 pouces entre le réfrigérateur et le mur arrière. Pensez aussi à l'ouverture des portes. Elles ne doivent pas heurter d'obstacles. Et si vous installez votre réfrigérateur à côté d'un mur fixe, laissez 3 pouces et 3 quarts d'espace pour pouvoir ouvrir la porte. Enfin, parcourez le chemin que votre réfrigérateur prendra le jour de la livraison. Mesurez les entrées de porte autour des îlots de cuisine et les autres endroits où l'espace est restreint. Utilisez ces mesures quand vous magasinez en ligne ou apportez-les dans un magasin Best Buy. Avec un vaste assortiment de produits et nos chandails bleus qui s'y connaissent bien, vous trouverez le réfrigérateur idéal.